Magnifique l'arrêt. On screenshot ça. Hop. Salut les gars, c'est Selmo, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, petite vidéo sur Captain Tsubasa Dream Team. Aujourd'hui, les frérots, c'est le Dream Fest. Dream Fest, qui dit Dream Fest, dit Genzo. Qui dit Genzo, dit, on va voir ce qu'il vaut. Donc, c'est parti. Non, pas détail, pardon. Liste, tac. Allez. Ok, en bois. Genzo Club. Il a 1162 d'endurance, ok. En coup de poing 5758, bon après c'est Genzo, sa spécialité c'est plus les arrêts. En arrêt il a 1085, très très fort. En physique 23633, en rapidité 6376, c'est pas ouf. Bon après il peut pas tout avoir partout. Donc en puissance et en technicité il est vraiment fort, donc ça c'est intéressant. Donc en 1LB on va partir 25 carrés, 25 puissance, 25 technicité. Donc voilà, on se complique pas la vie avec ce Genzo là. 15% Jap, ok, bon pourquoi pas. Zone de sûreté, 25%, ok, franchement, bah pourquoi pas. Bon, au début j'étais sceptique, mais là on va voir pourquoi ça en fait un des gardiens les plus forts du jeu pour l'instant. Son arrêt. Arrêt ZSJGK, 520 d'endurance, de puissance pardon, et 420 de stam. Franchement, pourquoi pas, c'est fort, c'est très fort. Il a un arrêt GGK, SGGK en A80 et coup de poing A80, ok. Lien, allez, on va voir ce qu'il vaut avec 3 joueurs japonais de type vitesse paramètre plus 2,5%. Ok, bon bah si t'as une club ou avec Yuga, Akai, non même pas Yuga et Tsubasa bleu Barça, pourquoi pas, c'est pas mal. Alors là il a un full body, franchement ça c'est très 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 fort, parce que je vais vous dire pourquoi. En zone de sûreté déjà il va avoir 25%, donc ton tir speed distance qui peut être arrêté par carrément du A80 même, je suis encore gentil, hein, du A80 ou même un arrêt, ouais du A80, je pense que du A80 ça s'arrête facilement. Et même quand il est t'es en surface pour tirer, ça va être compliqué parce que 20% dans son arrêt S, tu vois, enfin dans son arrêt principal, et ça c'est très très intéressant. Donc adieu les Michael, adieu les Schneider RS, Diaz RS. Ça va être compliqué, ça va être très compliqué de le marquer. En plus, il a maître des arrêts, donc pas de claquettes. Donc soit il l'arrête, soit bah, ça rentre. Donc voilà. Franchement, très très belle carte, très très fort. Donc moi pour l'instant, je vais faire quelques singles dessus, parce que c'est pas une carte qu'il me faut en priorité pour ma team, parce que je joue non jap. Donc à l'avenir, ouais, pourquoi pas. Si un jour ça revient, pourquoi pas. Mais sinon non. Donc voilà. On va passer vite fait au single. Je vais faire des petites singles que j'ai eu là vite fait avec vous. Comme ça, après on attaque le ticket SSR et on va attaquer 50 Dream Ball environ pour le Dream Fest. En single, bien sûr. Tout en single. Deuxième single. C'est Walou. Mais très très fort le Genzo. Franchement. Le meilleur gardien du jeu actuellement. Ok. Même pour ceux qui l'auront doublon pour claquer sur l'arrêt sur le LR. Franchement, ils seront bien. Non. Roberto, qui te met une carotte. Chance, 1, 2, flamme verte. Bon. On n'attend rien des tickets comme ça de toute façon. Zéro.
Zéro. Franchement, moi j'attends rien de ces invocations-là. J'attends rien parce que je me concentre plus à augmenter les TS de ma team pour l'instant. Parce que voilà, j'arrête de m'éparpiller un peu dans toutes les teams à droite à gauche, sinon je m'y perds. Après ça arrive, ça donne des teams pas complètes. Donc je me concentre plus sur ma team et on verra la suite. Dernière single. Bon. Aucune nécessaire. On savait. Donc merci Clab. Tac tac. Kick SSR. Si ça peut donner une new que j'ai pas. Du club, pourquoi pas. Ou du RS, du Mexicain. Enfin, pas les anciens, les nouveaux. Enfin le Gonzalez, je crois qu'il s'appelle, non? Si je pouvais l'avoir, lui, ce serait pas mal. Ou même Espada, pourquoi pas. Espada qui est très très fort. Bon bah. Chester. El Famoso Chester 2017. Donc on va attaquer 50 Dream Ball en single. Donc c'est parti, première single. On se prend pas le chou, on y va à la pépère, tranquillou. Non, bon, allez. Je vais pas forcer parce que. Voilà. C'est, ça va revenir. Flamme violette. Attends, attends. Faut que je calcule, moi. Ah, c'est bon. Chance, 1. Bon. Un, deux, trois. Oh, on n'est pas gâté, hein. Allez. Au moins nécessaire quand même. Oh. Ça bug un peu là. Bon. C'est pas ça, c'est pas ça. Ça vient pas. Bon, tant pis, c'est pas grave. C'est la vie. Ou chance, confetti, flamme rouge, jaune, pardon. Si c'est la SSR, ouais, on se met bien et puis c'est tout. Bon, Radunga, oh là là. C'est mon 5e Radunga. C'est bien. Quand ça va être le. Dépassement de potentiel là, ou je sais plus quoi là. Ça va être bien, il y aura un putain de Radunga boosté. Hein. Ah ouais, c'est bien. Franchement. Radunga, bienvenue. C'est mon 5e et tranquille, vas-y, je prends. Bon, allez. Ah, je sais pas si je fais. Oh, pire, je tente. Je tente des multis, on s'en fout. Hein? Ouais, de toute façon. Foutu pour foutu, hein. Oh, pardon. Non, j'attends, j'attends. Non, je vais pas invoquer, non, je vais attendre, je vais attendre. Non, 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 non. Je vais pas craquer. Allez, dernière single, après on arrête. Tranquille. Je vais pas craquer, ça, je vais pas le jouer, ça sert à rien. Je vais pas le jouer maintenant, tu vois, ça sert à rien. Donc voilà. C'est tout pour moi. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.